Bon, oui. Re. Après avoir misérablement échoué au boss final de l'autre stage, je pense qu'on va se rattraper sur un autre shoot'em up qui est du nom de Twinbee sur Sharp X68000, une autre nouvelle console que j'ai pas encore Twinbee. fait voir. Alors le jeu précédent c'était Danmaku Unlimited 2, précisons bien 2. Et bon, il portait bien son nom, hein. Danmaku, donc c'est le genre de shoot'em up, hein, qu'on dit Manic Shooter, donc qui crache des milliers de millions de boulettes à la fois. Et là, on est plus Ouais, détendu avec un Twinbee. comme ça. Alors la Sharp Bon. X68000, qui était quand même une très bonne console à son époque, proposait vraiment beaucoup de bons shoot'em up. Alors vous en faites pas, c'est pas la soirée shoot'em up, hein, ou presque, mais j'ai Ouais, comme envie. hier. Ouais, mais Vincent il m'a C'est donné pas envie une avec soirée son rêve de shoot'em tout up. à l'heure. Le Vincent il m'a donné envie. Putain, Vincent, qu'est-ce que t'as fait? Mais promis sur Danmaku Limited 2, je vais retenter ma chance plus tard, mais là, j'étais pas prêt. Ah oui, c'est la différence d'ambiance, elle se voit. Mon Dieu. Ouais, c'est. Waouh. Là, c'est tout joli. L'autre, c'était vrom, 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 vrom. C'était n'importe quoi. Là, t'as le temps de parler. Là, t'as le temps de regarder le chat. Mais là. Là, sur Danmaku Limited 2, c'était. Waouh. Enfin, peut-être que je devrais le refaire de mon côté. Éviter de le faire en live. Parce que je faisais trop de la merde en live sur Danmaku Limited 2. Et encore, j'étais pas dans ce mode le plus difficile. Alors, vous voyez le boss tout à l'heure, hein? Le boss tout à l'heure, où j'ai failli misérablement, c'était pas son panel le plus difficile parce qu'il y a un mode encore plus haut. Voilà. Votre commentaire, monsieur Wayne. Sûr. Le mec il s'en bat Sur les le couilles. jeu, je le vois pas. Mais pense-le, pense-le. C'est l'avenir du développement, il faut penser le jeu. Je vois pas le jeu. Mais si, monsieur. Vous le Il savez autant était que moi. là quoi. Pensez le jeu. Je vois pas le jeu. On s'en fout, tu le penses. Je Et m'en tu bats lui les mets plus tard couilles. si c'est un indispensable, gameblog ou pas. Je m'en bats les couilles, frère. Mais oh. Le plus haut monté sur ces. En fait, Wayne, c'est Thug Life Maximum Extra Extend de DLC Omega, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit encore quand même? Et Comme oh! truc. Cet homme est fou. Mais non, je suis normal. T'as rien, pas vu. Mon Dieu. Mon Dieu. Le T'es mec qui s'en bête, bat tu les sais, couilles toi. le plus au monde, C'est tu ça. vas voir. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Excusez-moi si je ne vois pas le jeu parce que. Mais pense-le, pense-le. Et mais donne-moi des indices C'est. pour que je le pense. Mais c'est un shoot'em up Ressemble à quoi? où on fait des tirs. Mais il a quelle gueule? Mais il a une bonne gueule. Il est coloré, il est sombre. Dis-moi des choses. Ou Je sais. tu tues des gens. Voilà. Ah, déjà, ça me dit des choses. Bah c'est Twinbee, c'est un jeu vraiment mignon. Ou Imagine a new world. New World. Bah Twinbee, tu dois taper sur des cloches des fois pour avoir de l'équipement. Si tu veux. Tu tires dans des nuages pour avoir des cloches. Yeah. Inciter Bizarre les comme jeu. enfants que les armes, c'est bien. Voilà. C'est pas bien. Apparemment, c'est bien. Les armes. Voilà. On va retirer sur les cloches. Wayne parlait un petit peu. Je sais pas quoi dire, je veux pas ton jeu. Imagine a new world. New World. Alors ce jeu Ah, reprend également. imagine Tales of Symphonia 2 down on the New World, c'est Ta ça? gueule!
Il n'a jamais existé, il n'existera jamais ce jeu. Oui, je te rappelle qu'on va faire une vidéo dessus. Mon dieu. Je mettrai pas le quand je ferai le jeu, je pense que je prendrai un petit cutter en guise de prévention. Mais où je te t'oblige pas à y jouer. Non mais on va en parler, ça déjà, tu vois. C'est déjà pas bien, tu vois. On va en parler, mais putain, mais pourquoi on m'a parlé de cette merde déjà? Je sais pas. Moi je le demande encore aussi. J'ai une question, c'est qui vraiment qui a commencé avec ça en plus, c'est vrai? De? Avec TES 2. C'est qui a commencé avec ça, à en parler? C'est moi, je pense. C'était quoi cette réponse? Fail good. Non. Je meurs. Bah crève, putain. Salut. Philippe. J'ai dû faire un tour. Je sais où tu te caches. Du skill dans Tales of. Est-ce qu'on peut vraiment parler de skill? Le skill dans un Tales of, ça c'est qui? Bah... Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Vince? J'ai peur. Putain, Vince, il m'a envoyé une image, j'ai peur. Monsieur Vince, j'ai peur. Attends, je te mets le lien. Pour l'instant, je peux pas voir. Ouais, mais quand tu feras une pause, tu verras ce qu'il avait envoyé. Oui, mon jeu préféré, tellement, en partant du bas. C'est même pas en partant du bas, c'est en partant des enfers. Oui, et encore. Même Satan, il ne voudrait pas y jouer, ce connard. Est-ce qu'il y a un truc encore plus bas que les enfers? Tales of Symphonia 2. Enfin, je pense, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent dire qu'en fait on exagère à mort, mais non! Non! N'exagère pas, les gens! C'est vraiment de la merde à ce point! Ouais! Déjà que ça insulte Lloyd! Ça insulte tous les fans de la série! Avec la fameuse quête du voleur, là! C'est pas les fans de Tales of Symphonia, c'est les fans de la série! Un kappa afro, I want, ah oui. Tellement c'est du foutage de gueule, faut voir. Ouais, t'as un gros vaisseau qui nous suit. Mais heureusement que c'est beaucoup plus détendu que le précédent jeu, mais enfin bon, ce sera pas difficile, d'un côté. Oui, bon, bah, Tales of Symphonia 2, même quand pas habitué, je trouve qu'il ferait quand même mal au cul, tu sais. Je pense que tu serais capable de frapper une maladie. Je sais pas, c'est l'origine du cancer, Tales of Symphonia 2, non, quand même pas mort. Je pense que tu peux attraper le choléra. La famine. Putain, ils sont tellement classe, les boss. Je suis tellement sûr que les mecs, ils deviennent comme ils avaient en moi. Parce qu'ils n'y ont pas joué, qu'ils savent. Mais souriken, connard. Parce qu'ils savent pas ce qu'est l'effet de passer de Tales of Symphonia 1 ou Tales of Symphonia 2. Mais tu sais, moi, ce que je plains le plus, c'est ceux qui ont. Crève salope. C'est ceux qui ont découvert les Tales of, mais avec Tales of Symphonia 2. C'est ça, Zink. Tu peux même pas aller sur la map, quoi. C'est incroyable, hein. Oh putain, mais arrête. Putain, tandis que sur le 1, t'avais même des montures. C'était vraiment super cool d'ailleurs. Noi. Yay! Je dis yay pour le jeu, pas pour yay pour Boo Symphonia 2. Quoi. Enfin, si yay aussi pour Boo. Enfin, tu vois, ce que Vincent a l'estime pour Other M, c'est l'estime que j'ai pour Tales of Symphonia 2. Ouais, même Other M, il est bon. Il peut arrêter. Mais jouez à Tales of Symphonia 2, vous verrez.
Même Skyward Sword est bon à côté. Oula, putain. Eh bah putain, la tonne gratuite là. Ça va, il est pas si mauvais que ça. En plus, le pire c'est Skyward Sword, je l'ai... Putain, j'aime bien Skyward Sword, quoi. Bah quoi, c'est vrai, il est bien Skyward Sword. Mais dans Skyward Sword, c'est comme la Seconde Guerre mondiale, il y a SS. Coïncidence? Je ne sais pas. SS. Bon, ça c'est dégueulasse comme comparaison, mais bon. Ouais, SS, c'est les soldats allemands. Enfin nazis. Non, mais le... coïncidence, je ne pense pas. ça devient un truc. Ça. Link the Sun, premier que j'ai entendu, je pense. Ah oui, ça doit être. T'as trouvé un point positif. Oh non, pas le connard là. Les crédits. Regarde ce qu'il a mis Drist. Les crédits. Oui, parce que tu dis. C'est la fin de la souffrance. Là. Tu dis que c'est pas bien de jouer à ce jeu parce que tu prouves que t'es sadomaso. Je sais pas si les crédits sont bien. À quel jeu? C'est assez funny à deux. De toute façon, je les ai jamais vus et j'ai jamais envie de les voir. Enfin, d'un côté, ça me fera dire, ouais, c'est la fin de la souffrance, quoi. Et d'ailleurs, j'espère que vous écoutez bien, les enfants. Mon enfant. Eh, d'où tu me traites d'enfant, toi? PD. Moi, je pense que les mecs qui ont fini Tales of Symphonia 2, faudrait les payer 2000 euros. Ok, on va le finir. Il devrait recevoir un chèque de... Ah, sévère. Ouais. Des créateurs du jeu. Et... Donc là, tu sortais le jeu, la bêche. TwinBee sur Sharp X68000. Hein? Sharp X68000, c'est une console. Ah. Ah, tu connaissais pas. Bah, t'as vu ma réaction? Sharp bidule. Voilà, t'as tout à fait. Et en fait, on a dit que Skyward Sword, il y a le mot SS. Donc, coïncidence, je ne sais pas. Ouais, tu sais que bon, c'est un peu ridicule ce que je vais dire. Vous savez, François Bayrou. Bah, il avait proposé qu'on interdise le mot revenir, qu'on interdise le mot euthanasie. Parce que dans euthanasie, il y a nazi. Oh là là. Et ça pouvait faire peur aux gens. Oh, attendez, vous partez loin, monsieur. Mais je vous dis, c'est François Bayrou qui a dit ça. Eh bah, l'année dernière. Oh. Et moi j'ai dit, attendez, on dit euthanasie pour les animaux, mais on peut pas dire c'est moins. Ouais, Sharp, fait des télés, effectivement, Vincent. On dirait un âne. Mais non, mais c'est Fabien qui dit qui aime mon 1 et Vincent aussi. Oh! J'ai pas aimé Zelda SS, j'ai fait tous les deux donjons et bois. Zelda SS, ça fait un peu bizarre dit comme ça, hein. Oui. Zelda SS. C'est dommage. Non. Ouais, pas. Bah, faut pas d'être. Mine Zelda. Voilà. Mine Zelda. En tout cas, moi je vais prendre une douche parce que j'ai plus le gars. Mine Jirahim. Ok. Non, Zelda là. Tu plus le gars. Attends, ouais. On vient de parler de... Bah, j'ai pensé comme ça. Putain, mais t'es con, tu sais. Bah, le pseudonyme est resté de Fabien, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme un animé où il y a une paire de l'autre invisible? Oui? Non, je repense à la blague que j'allais faire, mais bon. Je vous en serai quand même. Ah oui. Ouais, vaut mieux. 20 ans. Je vais faire une. Il s'est dit, je vais faire une blague et... Oh, c'est trop tard, t'avais pas vu, c'est moi, Taro. Salope suck, putain. Ouais, voilà. il est tout mignon, ce stage, putain. Tout mignon, ce stage. Oui. On dirait Bou. Quoi? Bou. Yeah. Putain, vous voulez pire qu'un boss de Dark Souls, j'avais joué à lui. Ouais, il y a Zelda M&M, c'est Zelda SS, ouais. Il y a pas de Zelda M&M. Ouais, il t'en joue le M&M. MM? Ouais, mais t'as des M&M. Ça se dit comme ça.
T'as des M&M. Oh, pis ta gueule. Pas de respect. C'est bien le M&M. Oui, pis ta gueule. Non. 9999. Oui, toi aussi, tu veux pas te... Nanana. Anne. Ah, il y a Itachi, il doit vous faire une révélation. Il adore les oies. Ta gueule. Oh. Ah ben vous, Fabien. Vous calmez hein. Ah non, c'est pas Fabien qui l'a dit. Il a fait fraise, mon dieu. Je crois que c'était Fabien qui avait dit. Et t'as aussi le meilleur Zelda. D'ailleurs, pour Final Fantasy XV, vous en faites pas. Hein. Si vous avez lu le titre sur GVC, c'est un titre mensonger. Parce que Hajime Tabata, il a bien confirmé. Parce que bon, JVC, ils t'ont clairement dit semi-open world. Hein. Donc genre, t'as une première partie où c'est open world, et la seconde, bah, t'auras rien. Alors que Hajime Tabata, il a bien dit que, allez à la moitié du jeu, hein, ils vont bien se reconcentrer sur les gros événements du jeu, sans supprimer le côté open world. Ah, ça c'est bien ça. Puis bon, la moitié de la map de FF15 fait déjà 3 fois la taille de celle de Witcher 3, alors bon, hein. Et là, c'est de Witcher 3. Après bon, il y en a qui sont déçus, on pourra pas aller partout en voiture, tout ça, bon. Vous voyez écraser des monstres comme dans GTA, vous hein? Oui. J'imagine bien les monstres qui sont 30 mètres de haut, les écraser. C'est ça. J'imagine bien aller en plein désert avec une voiture où il a pas JCWC, la route. JCWC, ouais. Ouais, ça mais voilà, ils ont encore fait un bon trip putassier, on n'a rien compris, ces gars, et bon, voilà. Bah, GVC, maintenant, on a l'habitude, hein. Ouais. Il y avait une époque où ils faisaient travailler que les stagiaires. Bah, c'est... Et encore, ils étaient plus compétents qu'eux, les stagiaires. Enfin, ça dépend de qui. Et surtout, ils n'étaient pas payés. Je pense que ça continue pas. Maintenant, les stagiaires sont devenus journalistes. Hein. Enfin, journalistes ou journalistes. Il y en a certains. Puis bon, couloir, ce sera pas pire que FF13, hein, les gars. Faut pas déconner non plus. Ça. C'est pas parce que vous entendez le mot couloir que forcément il y aura FF13. Hein. Déjà, quand tu visites une grotte sur FF15, et t'as. Donc, c'est trop labyrinthique! Arrête! Adèle, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? La bonne nouvelle, c'est que. Le nouveau Machin s'est sorti. Ouais. La mauvaise, c'est que t'es en LAN. Ah merde! Fuck! Mais je t'envoie sur ton chat privé le lien pour. Vas-y. Voilà, en fait la nouvelle c'est plus parce qu'il est en là pour pas la télécharger. Ok Vincent, on passe une bonne soirée en tout cas. Bonne soirée à tout le monde. Gros bisous surtout. Mais tu vois Sync, c'est bien d'entendre des vraies paroles des vrais développeurs quoi. Parce que bon, GVC encore une fois ils font que relayer, mais bon, eux ils relayent à leur façon quoi. En disant des conneries. Voilà. Ils relayent en mode. Politicien parce qu'il ment tout le temps. Non, en tant que média, il relève de l'information. Ah, merci Vincent. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Adèle? Ça remonte bien le moral, ça live. Ah oui, ça remonte génialement bien. Moi, comme j'ai appris une bonne nouvelle aujourd'hui, enfin en fin d'après-midi, je peux être plutôt en bonne santé morale. Ah, bon, moi je vais bien. Tu sais pourquoi? Le ciel est grisâtre. Ah, c'est bien ça. Moi, fait toujours un peu chaud, un peu lourd, mais bon, ça quand même. Non, moi, en tout cas, je voudrais remercier. Moi, je voudrais en profiter de celle-là pour remercier Death et Fabien. Pourquoi? De m'avoir supporté ce matin. Pourquoi? D'avoir mes petites interrogations, ma petite interrogation du matin. D'accord, pas de soucis. Donc, je voudrais. Je vous remercie. Tu sais pas supporter, c'est le conseiller, je pense. Oui, mais je me suis porté quand même, alors que vous avez vos problèmes. Donc, merci à vous deux. Du rien. Ouais, Ziva, Wayne, il devient trop commercial, lui, par contre. Ah bon? Ouais. What? Et pourquoi il devient commercial, Wayne? Ils vendent trop les jeux, tu vois. Et quel jeu? Moi, je suis commercial, vas-y, G. Vas-y, trop commercial. Moi, bon, j'ai rien à dire. Moi, je parle pas au Wen, ça les instruit. C'est con. Le pauvre Wen, il demande rien et. C'est ça que j'adore. Alors, on détruit un Boris avec non queue, ici. En fait, le Wen, c'est le Benjou de Hades.
C'est le Benzo de Hadès. Bah, excuse-moi, Fabien, il fait la même chose avec moi. Hein. Coïncidence, je ne pense. Oui, on peut vraiment dire que JBC c'était mieux avant, ça c'est sûr. Putain, regardez-moi ce niveau quand même avec toutes les cascades, c'est quand même vraiment ouais, très beau. C'est magnifique. Le jeu vidéo, c'était mieux avant. C'est là où il y avait de vrais journalistes. Franck sur JBC, c'était quelque chose. Ah, mais je connais un Franck en plus, mais c'est pas le même. Bon, il y avait Romain Deal, mais bon, honnêtement, Romain Deal, j'aimais pas trop. Hein. Honnêtement, c'est pas quelqu'un qui était fait pour les tests de jeux vidéo, je trouve. Enfin bon, c'est mon avis. Non, c'est Goldo Benzu, s'il est collecteur. Goldo Benzu. Goldo Benzuda. Léon, que voulez-vous? Je suis trop fameux pour vous. Ouais, t'as rien. Ta gueule. Mais oh. C'est écrit du sens, tu te gardes pour toi, petit con. Yeah. Va-t-il détruire la pastèque? Ouais, il l'a coupé en deux. Adès, il est méchant. Coreno Goldo Penzo. Exactement, Taro. Je pense que je vais faire un autre jeu qu'un shoot'em up après. Ça va, ça fera plaisir. Ouais. Enfin, sauf si ça vous dérange que je continue chez Zemep. Oui, ça me dérange. Bah, ta gueule, toi. Même Wayne, ça le dérange, le Zemep. Drist, putain. Wayne, l'Idris. Attends, qu'est-ce qui est Drist? T'as commencé dans Wayne, tu as 6 lettres, tu as le nombre de 10, et à la fin, tu fais 6 fois 10, ça fait 60. Et tu ne vois pas le droit. Il était cherché loin, le con. Putain, il est cherché où, ça, lui, encore? Wen, t'as donné à fumer quoi, Adrich? Par contre, tu l'as trouvé où, le multiple de 3? Attends. Mais on est 3, actuellement, ici, on est 3. Oh! Coïncidence? Je ne pense pas. C'est quoi cette voix, Death? Non, c'est pour imiter les vidéastes qui le font. Ah, ça m'a fait peur. Oui, on... ah oui, ah, c'est bien trouvé en plus. Bon, ça revient sur la gueule de Wayne, mais bon, ça c'est pas grave. Ah, je dis quoi moi? Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. Ouais. Comme l'eau de roche, c'est jamais clair. On fait comme Xevious, on détruit les ennemis en bas également, sauf que là, c'est automatique. Donc t'as pas un autre bouton pour appuyer sur le bas, tout ça. C'est quand même cool. Plus tard, j'arrive, maman. Ok, maman. J'arrive. Ok, maman. Oui, on est trop en live. Oui, attends. 20h36, hein? Tu enlèves le 0, tu fais 2 x 3, et on est 3 en live. Au final, ça fait 666. on va chercher loin quand même. Calmez-vous. Non. Allez, encore un boss battle. Wayne, coïncidence, je ne pense pas. Bon, bah, je vais arrêter. Construire des chiens comme boss. Ils sont graves, putain. Ils sont graves dans le chat, putain. Attends, je suis en train de... Oh, vous êtes énormes, les gars, putain. Mais deux. En plus, quand tu prends la première lettre de W et que tu la remets en place, ça fait rien. Le M, c'est l'association de W et Illuminati. Quoi?
C'est sûr que Wayne n'est pas juste une personne, mais deux. Mais tout est écrit depuis le début. C'est mais oui. C'est écrit depuis le début. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je pense que c'est un complot infracto, judao, liberto, christianisme, fondaliste. Je sais pas. Schizophrène, ça s'écrit pas comme ça, mon cher Triste, par contre. 10+10, waouh, incroyable. Incroyable game block. Ah non, c'est indispensable. Imagine, incroyable game block. Putain. Normalement, c'est le stage final. On va passer sur un autre jeu. On va essayer de se sortir un peu du shoot'em up. Peut-être Star Fox 2. Allez hop. Tu as entendu mon petit Wayne ? Star Fox 2 ? Ouais. Ce serait cool à faire. Ah oui. Alors je pourrais faire le premier, mais bon. J'ai envie de faire le 2. Ouais, pardon. On verra en temps voulu. Putain, vous cherchez encore, mon les gars. Waouh. Mais Hiroshima, c'est de la faute de Wayne. Hein, Wayne? Wayne, nous? Oui. Hiroshima, c'est de ta faute, hein. Merci. De rien. Arrête de dire de la merde. J'aime bien le. Arrête de dire de la merde. T'es nul. Non. T'es putain, par nul. Contre, le nombre de détails dans ce décor est juste incroyable. Et je ne suis pas nul, monsieur. T'es nul. Non. Putain, mais qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils vont chercher loin, leur truc. Ça, par contre, le boss, là. C'est pas pour rien que ça passe final. Je suis pas schizophrène, je n'ai pas de fleurs jumeaux. Ouais. Oh, comment il hurle le boss, putain? What the fuck? Allez, Mother Brain, le retour. On combat un cerveau. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, les mecs? C'est rien. Ah, c'est ouf, hein. Yeah. Bravo, tu as détruit un cerveau, tu as sauvé le monde. C'est bien, tu as fait pousser un arbre, c'est génial. Wow. Wow. So beautiful. Yay. Incredible. It's incredible. Comme le JDG dit, unbelievable. Unbelievable. Zimbabwe. Zimbabwe. Et voilà, on a fini le jeu. Un super plaisir de réussir, pas comme le. Oui, oui, bah 30 minutes. Mais ouais, bon, je prendrai ma revanche sur Danmaku Limited 2, mais bon, ce sera de mon côté, je pense, parce que faire ce jeu en live, c'est quand même assez extrême, quoi. Le ciel est beau, le ciel est tout bon, oh mon dieu. Il y a des étoiles dans le ciel, mon dieu. Il y a des petits poneys. Ah non, par contre non. Il manquerait plus que les poneys pour ce jeu. Tiens. Il y a 72 dresses. Au moins il y a un arc-en-ciel, voilà. 72. Et c'est un jeu fait par Konami. Konami, pardon. Oh non. Allez, sur ce, je vais changer de jeu, alors à tout de suite. Messieurs les théories du complot.